Natacha, bonsoir. Chers abonnés, bonsoir. Et depuis que vous m'écoutez, vous n'avez pas encore lancé un business. Que vous ne faites pas partie des choisis. C'est mon parfum attirance que je mets sur moi. Ah, le parfum pour appeler les clients. Attirance est différent. Là, mon sommet, là, vous devez venir. Venir tout comme. Voilà la sauge qu'on brûle. Quand tu mets comme ça. Elle donne-moi tout. Vos donne-moi tout sont caractérisés par. Donne-moi tout. Caractérisé par une noirceur ou une couleur marron très intense. Parfois, ça peut vous indisposer devant les gens. Attendez, je vais mettre le gloss. J'espère que c'est encore sur la table ici. Là. Vous voyez que le donne-moi tout contient beaucoup de choses. Vous voyez, dans l'autre, dans le donne-moi tout ici, vous voyez la cendre ici, non? C'est pas de la cendre en fait. Il y a beaucoup de poudre et d'herbe qu'on met dans le donne-moi tout. Donc, mets un peu sur la langue. Quand tu me donnes tout sur la langue, là, ça picote, ça donne la puissance de ça. Vous n'aimez pas quand on vous montre les choses, non? Là, il vient vous mettre tout ce qui vous montre tout ce qu'il fait, vous dites que ah. Je ne trouve pas le gloss. Je vais pousser, c'est là-bas. C'est là-bas sur le lit. Moi, il n'y a pas moi me lever. Il n'y a pas envie de me lever. Juste en passant, j'ai une prophétie pour quelqu'un. Écoute, tu as longtemps souffert. Tu as déjà purgé ta peine. Ouf, le donne-moi tout là, ça donne l'onction. Aïe, chakara baba ça. Donne-moi tout ça, restaure l'onction. Jesus. Tu as déjà pugé ta peine. Aïe, 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 aïe. L'esprit me dit que tu as déjà trop souffert. Ta période de souffrance est terminée. Maintenant, même dans le sommeil, l'argent va venir vers toi. Tu vas te coucher, tu vas dormir, tu vas te réveiller le matin, on va dire, j'ai déposé l'argent sur ton compte. Que je te cherche depuis 2 heures du matin. J'ai finalement trouvé ton matin, ton numéro à 6 heures. Viens, indique-moi là où tu es, je viens te donner l'argent. Parfois, j'ai des clients qui se hâtent tellement de me payer que. Où je paye. Parfois, il y a un client qui m'a payé l'autre jour dans un compte que j'utilisais avec une dame avec laquelle je collaborais il y a de cela 8 mois. On a arrêté de collaborer. Elle arrive, elle est tellement pressée de payer qu'elle perd le compte de la femme. Donc tes clients vont courir pour te donner l'argent. Ce n'est pas toi qui vas faire que tu as payé. Que bon, elle paye, non. Donc je vois une personne parmi vous que tu as été. On a même cru que tu étais folle à un moment. Parce que quand ça te prenait comme ça, ta tête faisait mal. Tu ne te coiffais pas. Tu ne te coiffais pas. Parfois tu ne t'habillais pas bien, tu étais aussi comme ça. Tu pugeais. Tu pugeais.
Les mauvaises odeurs sortaient de ton corps, ça sortait de ton aura. Maintenant, comme tu es là, tu es devenu l'aimant. Quand il vous parle, Internet dérange comme ça, là, Samuel. Internet, tu déranges pourquoi? Internet dérange pourquoi? Ça blague avec moi. Bonsoir la reine Pélagie, bonsoir la reine Edwige. C'est ici qu'elle voit les commentaires. La reine Marie-Laure. Merci pour les cœurs, la reine Natacha. Sur le téléphone, si ça a bugué, je dois regarder sur l'autre téléphone ici. Écoutez, hein? Mes messages de la période aussi sont très attaqués, mais je ne vais que parler. Bonsoir Pavel. Pendant ta période là, pour certaines personnes, ça a duré 10 ans, d'autres 13 ans, l'autre 8 ans. J'entends aussi 7 ans. Donc, c'est comme si tu étais en cure de désintox. Tu sais, quand quelqu'un est en cure de désintox, il n'est pas beau à voir. Il n'est pas beau à voir parce que le fait que le truc là qui est dans ton corps est en train de partir. Parfois, tu te réveilles dans la nuit, tu es en sueur, tu veux aller. Tu connais quoi tu vas mettre ton corps? Oui, l'esprit de te dire, mais il te dit que tu as traversé ta période là, tu as déjà purgé. Oui. Et quand tu purgeais, ça n'était pas agréable. On te prenait pour une folle. Quand tu purgeais, tu... Il y a même les jours où tu déconnais un peu. Il y a des gens qui ont déjà fermé ton cas. Donc, on a fermé ton cas, on a dit que ah, la femme là, elle, on la voit, ses cheveux sont toujours un genre. Quand on la voit là, même son habit, c'est comme si elle a pris comme ça, elle a lancé en bas du lit même pendant 2 ans. Après, elle a pris le tir pour porter. Écoutez, c'était même parce qu'elle venait d'ici là au départ. Dieu m'a envoyé ce soir, il m'a fait, j'ai mis l'eau du truc, c'est là pour te parler. Tu as déjà fini ta période de purgatoire. C'est fini. Maintenant, ce que je vais te donner dans la suite de ce message est très important. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous traversez ce désert, pendant que vous traversez ce désert, vous n'aviez que vous. Il n'y avait que toi qui te supportais. Parfois, la vie n'a même pas de sens. Il y avait des jours où la vie n'avait pas de sens. Tu te demandais que, mais je vis même pourquoi? Tu essaies de voir, ok, je vis dans 10 ans, je vais faire ça. Tu ne vois pas ce que tu vas faire demain. Tu fais ça, tu manges, tu te couches, tu dors. Tu te lèves le matin, tu vas au boulot. Tu rentres, tu manges, tu te couches, tu dors. Tu te lèves, tu vas au boulot. Donc, ta vie était devenue vide. Donc, je suis là ce soir pour te dire que tu as purgé. C'est fini. Les moqueries qu'on t'a fait là, c'est fini. Ouais. On va plus se moquer de toi. Tu vois, genre, tu parles, tu supplies, on te prête le fonds de commerce. Dès que tu prends le fonds de commerce là comme ça, la maladie commence sur un de tes enfants ou deux. Maman, quand l'argent de ton fonds de commerce l'a fini, les enfants sortent de l'hôpital. Tu étais piégé, tu ne savais même pas. On t'avait piégé. On t'avait fait le guet-apens, comme on appelle le guet-apens. Ah, c'est le produit pour attirer les clients. Je dois vous attirer ce soir. Utilisez-moi mes choses, j'utilise mes produits.
Ton mari te donne l'argent pour acheter des choses ou pour faire ton business. Tu achètes, tu déposes à la maison. Tu n'as même plus une force pour vendre les produits que tu as achetés. Alors que quand tu as acheté, tu avais l'énergie. Oui, je vais faire le marketing de réseau. Oui. Maman. Le jour où les produits arrivent chez toi, c'est comme si c'est l'attaque mystique sur toi, mamie. Voilà les produits dans la moelle là-bas depuis 2 ans. Si vous connaissiez comment les gens vous attaquent. Vous savez, c'est que les gens qui me suivent, ils se méfient de tout le monde. Les gens qui me suivent se méfient de tout le monde. Parler de l'eau de cela que j'ai lavé, non? Elle voit, elle se fait le lavage. Elle rentre le soir, elle verse l'eau au milieu de son salon. Elle prie. Elle lit le psaume 35 sur l'eau là. Elle rêve la nuit que sa meilleure amie est venue déposer 2 chaises, enterrer 2 chaises, 2 animaux dans sa maison. Et quand vous n'aimez pas croire Dieu, quand Dieu vous montre les choses, hein? Non, ça ne peut pas quand même être elle. Ça ne peut pas. Ouais, Seigneur. Certains mamies, vous allez seulement faire le. Vous allez, tu vois, quand tu connais, je connais que tu me détestes. Moi-même, donc on sait mutuellement qu'on se déteste. On se guette, on se toise. Oui, toisons-nous. 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 Donc, je vais te donner une stratégie principale. Premier problème que tu as, tu te focalises sur toute autre chose. Mais tu n'as pas de produit à vendre. Si ton oreille comme ça, s'il y avait il y avait l'émoji pour l'oreille tirée comme ça, là, tu tirais ton oreille. Et j'ai les ressources de toisement. Hein. Tu n'as pas de produit que tu vends. Toute femme ou tout homme que j'ai vu qui a l'argent, la personne vend beaucoup de choses. Comme tu es là ce soir, que tu vends quoi? Tu vends quoi? Je vous ai parlé de mes donne-moi tout. Voilà le parfum homme riche. Ça, c'est même back to sender. Oui. Voilà ce que tu utilises quand tu fais ton back to sender. Voilà le donne-moi tout. Quand tu veux faire tes demandes. Tu as le tribunal, tu mets ça dans ta bouche. Tu peux demander le crédit, tu mets ça dans ta bouche. Tu peux vendre tes produits, tu mets ça dans ta bouche, tu mets sur ton corps. Ça, ce n'est que le 1/20 de mes produits. Et je n'ai même pas encore commencé pour les produits. Écoutez-moi. Vous devez vendre les choses. Faites jusqu'à vous faire même votre marque de bic. Parce qu'il y a les gens qui viennent, ils aiment ce que tu fais. Ils t'aiment. Oh, la femme, c'est battante. Waouh, j'aime ce qu'elle fait. Je vends la craie, ils achètent. Ma chérie, les boucles d'oreilles, c'est trop petit. Une boucle d'oreilles, si on achète, ce sera pas. Tu peux vendre la boucle d'oreilles à plus de 20 000. Il faut combien de ventes pour que ça te donne l'argent? Réfléchissez aussi dans vos business. Hein? Hein? Boucle d'oreilles, c'est quoi?
Tu peux vendre deux boucles d'oreilles, tu payes ton loyer. Hein? Parce que je ne veux pas les femmes qui se voilent les yeux. Tu vends lui la 5 000. Que tu as acheté à combien? Tu achètes à 3 500, tu vends à 5 000. Ça veut dire que tu viens te faire. Tu parles à quelqu'un pendant 1 heure et demie. Pour qu'il te donne 1 500. Ha! Oh! Ne venez pas ici me souiller. Augmenter ce que vous vendez. Donc, j'ai dit, ton premier problème, c'est que tu n'as pas de produit. Qui n'a pas de produit ne vend pas. Qui ne vend pas n'a pas l'argent. Qui n'a pas l'argent va aller demander qu'on lui donne l'argent. Qui va aller demander l'argent devient esclave de quelqu'un. Votre deuxième produit, votre deuxième problème, vous êtes paresseux. Parfois, tu passes une semaine, tu ne parles pas de tes produits à quelqu'un. Tu vois qu'on va venir dans ton armoire deviner que ce sont tes produits. Hein? Gamide, sortez. Sortez. Distraction inutile. Et c'est même parce que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas acheter les choses des gens. Quelqu'un vend ses produits. Ah, moi, il ne peut pas quand même sortir. Je sors 50 000, pourquoi? Combien de choses de 50 000 ou 150 000, 200 000 tu achètes par mois? Ton toucher financier est peu. Compte l'argent qui passe dans tes mains par mois. Tu fais un mois, tu touches 300 000. Et en un moment sur toi, tu as seulement 100 000. Donc 100 000 grand, c'est 100 000 entre, 50 000 sort, après 50 000 entre, après 75 000 sort, après. Donc tu n'as jamais 300 000 en une fois dans ta main comme ça. C'est pas bon. Il n'y a pas le début sur ça, que pour un début, je compte. Eh, mal, eh. Il y a un 3 heures là sur TikTok là. Il me fatigue. Le gars là me plaît jusqu'à. Il t'apprend à toiser. Tu es étudiante fastidieuse, je vais te bloquer. Tu as compris? Je vais te bloquer. Je ne veux pas les commentaires de pauvreté sur ma page. Ici, étudiante. Un jour, je suis recensée, monsieur Dine. Pourquoi est-ce qu'une étudiante camerounaise de 18 ans qui est à la fac n'aurait pas sa propre voiture? On a réduit les étudiants camerounais à la mendicité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante. Comme ça, les hommes, ça, ils vont te draguer. Va te donner un petit 10 000 comme ça, la pape, il va t'avoir. Je suis étudiante. Si c'est l'insulte que étudiante est, insulte, étudiante toi-même. Si j'ai envie de m'insulter, étudiante toi-même, moi-même t'insulte. De 18 ans à 24 ans, tu es dans la mentalité de pauvreté à l'université. C'est à quel moment que tu vas apprendre à gérer l'argent, à toucher l'argent? C'est à quel moment? C'est ça que vous bloquez vos enfants. L'enfant a 10 ans, il te dit, maman, je veux lancer mon business. Oh, va à l'école. 11 ans, va à l'école. 15 ans, va à l'école. 18 ans, va à l'école. 26 ans, ah, tu as fini l'école. L'enfant est habitué à 50 000 le mois. Et c'est toi qui lui donnes.
C'est toi qui lui donnes. Céline Fongue, contacte-moi pour le baume à lèvres et baume à barbe là. Moi-même, je vais faire la même chose. Tu as compris, Céline Fongue? Contacte-moi, inbox, si tu peux. Souvent, on parle, on ne nous contacte pas. Alors que c'est le business. Bonsoir, la reine au fait. Visez grand. Parlez de vos produits aux gens. Parlez de vos produits aux gens. Parlez de vos choses aux gens. Pensez grand. Parfois, j'ai besoin de partir dans une maison. Ce soir, j'étais à Denver. On avait un petit rassemblement là-bas. On tourne dans la rue, on arrive chez le monsieur qui nous recevait. Quand on arrive, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Sorel, ta facture réfléchit comme une mendiante. Tu as compris? Tu réfléchis comme une mendiante. J'ai l'espace. Je n'ai personne pour me tenir le capital. Qui va venir investir sur ton rêve? Tu es folle ou tu es bête ou tu fais semblant? Vous savez que tu vas te balader en disant qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Comme il disait, écoute, personne ne vient t'aider. Nobody is coming to save you. Rentre ça dans ta belle tête, ma chérie. Put it in there. Personne. Je dis bien personne. Tu as compris? Ça fait un an, ça fait combien de temps que tu attends? Continue d'attendre. Est-ce que vous savez qu'il ne faut pas l'argent pour faire l'argent? Ce n'est pas l'argent qui fabrique l'argent. Les idées font l'argent. Élisée a demandé à la femme, la veuve là dans la Bible, que qu'est-ce qu'il y a chez toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Ah, il y a une petite bouteille de une petite boîte d'huile là. Oui. Maintenant, il y a le savoir-faire. Va chez telle personne, tu demandes de te prêter. Tu ne peux pas demander de te prêter le fonds du commerce parce que l'huile vient de chez toi. C'est toi qui as l'huile. Tu prends seulement les boîtes chez lui. Verse dans les boîtes jusqu'à ce que ça finisse. Quand tu as versé, pas maintenant, tu vends. Ça veut dire que tu dois te mettre sur les réseaux, tu dois parler de tes choses. Vous avez peur. Toi, tu vas vendre tes choses comment? Il dit toujours que tu n'as pas assez souffert. La raison pour laquelle YouTube t'effraie encore. Tu n'as pas encore assez souffert, ma chérie. You know the suffer yet. Tu as encore te blaguer. Ton bailleur t'a pas encore sorti de la maison. Tu vas sortir comme une folle dehors. Acheter mes encens. Acheter mes encens. Acheter mes huiles essentielles. Tu vas marcher avec ça dans sur ton dos. Vous crânez encore sur l'argent. Crânez. Bon, tu sais, j'ai mes produits à la maison, je veux pas qu'on sache que je vends, hein, moi je veux pas. Comment est-ce qu'on va savoir que tu vends? Moi je veux pas qu'on voit sur mon statut que je vends. Hein. Tu es bête. Toi-même tu achètes des choses et des gens quand tu vois sur leur statut.
Tu n'arrives pas à mettre tes choses sur le statut. Tu n'es pas bête. C'est pas la bêtise. Ou c'est la folie. Ou c'est l'idiotie. Ou c'est la connerie. Tu sais, moi, je ne connais pas. Je n'aime pas. N'aime pas. C'est comme ça que ton argent va te fuir. Vous jouez encore trop casual. On est en anglais casual. Casual. Tu veux faire la gentleman ou gentlewoman avec l'argent? N'inquiète pas, tu vas répondre à ton bailleur. Tu es la mère des belges encore, tu es content, non? La mère des belges, non? Attends. J'espère que je la mets la Zara plus là. Tu n'as pas honte qu'à 27 ans, tu manges encore chez ta mère. Chi! J'ai un de mes petits là. Je lui ai dit fatigué, viens travailler avec moi à Douala. Hier, c'est là, moi, il me dit qu'il est malade. Je lui dis, monsieur. Monsieur. Ah, tu sais. Ah, tu sais. Si ma mère ne venait pas payer 200 000, c'est qu'elle ne sortait pas de l'hôpital. Que tu n'as même pas honte. Tu as 29 ans. Tu tombes malade, c'est ta mère. Elle doit laisser tous tes petits frères. Pour venir te payer le truc. Pour que, oh, si ta mère pour tomber malade, qui va payer ça pas? Écoutez, même si vous venez sur mes commentaires faire votre publicité, c'est petit. C'est petit. C'est petit. Laura, Céline, c'est bien, tu as compris. Je vois les autres, c'est là, ils vont seulement venir regarder, même faire le. Même mettre les likes sur le direct, ils ne vont pas mettre. Mettre les cœurs, ils ne vont pas mettre. À un moment, quand Facebook va m'énerver, je vais basculer sur YouTube. Parce que le public camerounais, malheureusement, vous n'êtes pas sûr, vous ne supportez pas les gens. On vient ici, on vous encourage chaque jour. C'est pour ça que vous, quand vous partez, vous ne faites rien de ce que je vous donne. Parce que vous avez une mentalité de consommateur sans donner quelque chose. Même appuyer comme ça là, jamais. Et pourtant, t'as ça, je m'écoutais. Je vous dis toujours que ne vous inquiétez pas. La nature s'y enregistre tout. Ça va, on appelle ça Akashic Records. Tout est enregistré par l'univers. Tu voles quelqu'un. Tu arrives, tu veux vendre, tu vas acheter quelque chose chez quelqu'un. Sa secrétaire là. Ou bien elle laisser sa vendeuse. La vendeuse te donne le prix du produit que tu achètes souvent. Et c'est à 100 000 que tu achètes souvent. La secrétaire dit, ah madame, c'est 60 000. Tu connais dans ton cœur que c'est 100 000. Tu achètes, tu fuis rapidement. Les 40 000 de dessus que tu as escroqué à la personne là, ne t'inquiète pas. Ça va tourner, ça va revenir. Dieu est trop juste. Dieu là, oh. Dieu est juste. Oh Dieu. Tous les années, on t'a exploité, tu as travaillé, on ne t'a pas payé. Oh, tu as fait. Un jour, tu commences ton activité. En 3 mois, quoi que tu es dans telle femme là. 3 mois, tu achètes 3 terrains. Tu lances le chantier même sur les 3 terrains en même temps. On dit, mais en septembre, la fille, si elle était ici, elle avait 50 000 le mois. Comment ça se fait qu'en décembre, elle a 2 terrains qu'elle a achetés? C'est toutes tes années de payback. Ça revient que whoop sur toi. Tu dis, waouh. This God. Oh. T'as fini mon conseil que tu dois donner à la personne aujourd'hui. Donc tu as dû m'écouter. Ton problème, c'est que tu procrastines beaucoup. Tu procrastines beaucoup. Tu doutes de toi et tu ne sais pas que les gens peuvent acheter tes produits. Même si tu fais l'eau tangui, tu vends. Les gens vont acheter ton tangui parce que c'est toi. Même moi, si j'ai fait l'eau tangui, les gens vont acheter. J'ai fait le mambo et même en photo sur ça, vous allez acheter. J'ai fait le mambo et mets le mambo à 1000 francs là-bas. Vous vendez pour voir 200, ils ne vendent pas à 1000 francs. Les gens vont acheter. Tu doutes trop de toi. Tu as peu confiance en toi.
Et c'est un combat que tu dois mener seul. Personne ne va faire ça pour toi. Parfois, vous aimez ça. Que tu vas m'aider, non? Nya, 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 nya. Lève-toi. Lève-toi toi-même. Fais tes choses. Arrêtez d'avoir peur pour n'importe quoi. Quand tu vas fabriquer, tu vas faire des produits. Personnalise tout, fais même les tennis, tu vends. Voilà la rentrée qui arrive. Commande les sacs à dos. Tu vends. Tire sur tout ce qui va bouger. Tu n'as pas les produits. Comment tu veux que les gens te donnent l'argent? Quelqu'un vient dans ton magasin, il te donne 5 000. Tu vois qu'il est parti faire des courses de 400 000 francs ailleurs. Ailleurs, il y avait les chaussures, les sacs, la goutte pour boire, il y avait les chaussettes, il y avait les caleçons pour enfants, tout ça. Parce que la personne en avait besoin. Maintenant, quand Dieu te met à cœur de faire des multiples produits, tu refuses. Tu refuses. Donc, c'est de ta faute, ok? Voilà. Mon message de ce soir est passé. Le volume était bon. You cannot do protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdue. I have tested and the love. I have seen your mighty face. Well, Jesus is good. I heard you call my name. You fill my heart with joy. Yay! Que genre de la chanson c'est? Ça me donne la gel de poule. Ça me donne les goosebumps. Yes. Dieu donne une assurance pour agir. Dieu enlève la peur de ton cœur. Dieu enlève les nids. Tu sais. Tu vois quelqu'un qui a plus que toi. Il a 100 fois plus que toi. Tu n'as pas peur. Oh. I heard you call my name. You fill my heart with joy. Dans tes hauts et tes bas, il sera toujours là. Mais tu n'as pas besoin de choisir de rester dans tes bas. Parce qu'il aime bien quand tu es dans tes hauts aussi. Tu as trop accepté. Tu t'es battu pour rester en bas. Laisse-le te prouver qu'il est aussi le Dieu de l'abondance. Que tu peux être dans ta maison, que tu as déposé la maison sur 2000 mètres carrés. Tu te payes même dans tes chambres. Et c'est pour toi. Tu as fait venir les décorateurs d'Égypte. Vous avez venu au Cameroun visiter les maisons. On vous insolente avec l'argent. Tu dis, mais monsieur, tu n'avais rien à faire avec tes 300 millions? Hein? Tu n'avais rien à faire? Tu peux verser ça dans ta maison? Oh Seigneur. Seigneur. Tu entres chez lui. Tu crois que tu as pris l'avion. En fait, c'est comme si tu as manqué les 6 heures de vol. Parce que même en Europe, il y a les gens parmi vous là que en Europe, vous n'êtes pas dans le genre de maison qu'il y a ici au Cameroun. Même entrer là-bas, je n'ai pas encore entré en Europe. Mais il y a ces choses. L'abondance, c'est pas, ça ne dépend pas du continent. Ce n'est pas le continent. Arrêtez vos choses là. Venez voir les gens qui ont l'argent au Cameroun. Même là-bas, chez vous, à Abidjan, là-bas, chez vous, à Libreville. Venez voir là. Donc, c'est qu'elle veut partir en Europe que ça va. Laisse-moi tout ça. Laisse ça. Tu n'as pas prospéré à Douala, tu crois que c'est quand tu vas partir à Mbengue, tu vas prospérer. Je
J'ai trouvé l'agence aujourd'hui. C'est une dame qui est venue me voir, ça fait 6 mois. J'étais encore dans mon ancien bureau. Elle m'a laissé ça. Donc, c'est quelqu'un au Cameroun qui veut changer ça, je lui donne ceci une fois. C'est dollars canadiens. Mais généralement, je change. Vous savez que je prends toutes les monnaies. Quand quelqu'un vient dire que je ne peux pas payer, je dis que tu as quoi? Tu as le yen, tu as le dollar, tu as l'euro, tu as quoi? Donne-moi. Guillaume. Giva. Oh, Seigneur, élimine tes enfants. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? N'est pas ça vient quand tu appelles. L'âme! L'âme! Ça court comme un toutou. Balance la queue. Vous avez trop mystifié l'argent. Vous voyez l'argent comme la montagne. C'est le petit toutou. Là, hein, viens ici. Là. Oh, le petit toutou, il est tout beau. Oh, petit chihuahua, il est tout beau. Franchement, moi, j'ai souvent les idées. Je sais pas. J'ai souvent les idées bizarres. Oui, nommez votre chien là. Ah, ben super. Je dois m'acheter un animal de compagnie. Je vais l'appeler l'argent. C'est une bonne idée. C'est une idée de génie. Tu appelles ton chien l'argent. L'argent! Est-ce que vous avez vu l'argent? Je ne sais pas pourquoi. Depuis le matin, je ne l'ai pas vu. Là. Il court. Oh là, tu me donnes un petit câlin. Oh, le petit toutou. Oh, il est tout beau. Uh-huh. Mystifiez plus les choses. 30 millions, c'est quoi? 100 000 euros, c'est quoi? Hein? 200 000 euros, c'est quoi? C'est pas là. Hein? C'est pas là. Hein? Détruisez les barrières dans votre tête. Il y a un genre d'argent que tu ne te voyais pas avoir avant. Entrez dans les tontines violentes. Oui. Tu fais 7 tontines. Chaque tontine, 2 millions. Chaque mois. Sauce combo. À la fin de l'année, comme ça, tu tapes même 300 millions sur la table. Tu vas voir que tous les petits terrains de ma cape, quand on te disait que c'est 80 000 mètres carrés, là, tu achètes ça facilement. Tu construis pas facilement. Tu parles de quoi? Hein? Dans la tête. Bon, j'ai terminé ma thérapie de ce soir. Je vous ai thérapisé. Je vous ai thérapisé. Bon, on va chercher un petit toutou qui va s'appeler Moni. Ah ben c'est... Imagine, tu marches avec ton chien. Tu dis Moni. Moni. Moni, viens ici. Oh ben c'est trop beau ça. Je sais pourquoi j'ai pas pensé à ça avant. Je pense que l'argent c'est mieux. Moi j'aime, je sais pas, j'aime le mot argent. Money. Vous avez vu l'argent? Il est pas dans sa cage. Et tu vas appeler le chien Cap. 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 Non, c'est l'argent qui donne. C'est l'argent. L'argent. Allez, l'argent, debout. Allez, l'argent, assis. Du coup, c'est moi qui commande l'argent. Ma passe là. Je reste on s'est ri avec moi-même. Moi-même, je m'amuse. Je ris encore seul. Je m'amuse. Je ris. J'ai fini de rire. Je commence. Je conduis ce que j'ai en train de faire. Ça me plaît, moi. Aïe. Bon. On n'a pas dormi. On a fait les lavages aujourd'hui, les lavages d'examen là, il y a encore d'autres demain. Nke, yé, nke. Nke, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre nke. Nke, c'est l'argent toujours, non, en bas tout femme. Nke, oh chef. Nke, why yon nke? Nke,
Non, ça ne donne pas. Gafo. Gafo. Gafo, cher. Tchichi. Non. L'argent. Oui, l'argent. Non. L'argent. Il ne faut pas qu'un Ivoirien écoute quoi qu'il ne comprend pas bien. Mon toutou s'appelle l'argent. Je commande l'argent. Allez, l'argent, viens ici. L'argent, assois-toi. All right. All right. Je vous bénis. Il y a lavage demain. On a fait lavage aujourd'hui. Il y a lavage demain. Les produits et les kits aussi sont disponibles. Kit attraction, fondation, commerce. Achetez vos bâtons de commandement. Vous m'entendez? Achetez vos bâtons. Tu achètes, ça se paie, tu achètes l'autre. Tu achètes l'autre, ça se paie, tu achètes l'autre de l'autre. Et souvent, ton bâton se paie comme ça, là, ce n'est pas normal. Hein. Vos gens la connaissent. Bonne nuit. Regardez mes yeux. Bonne nuit. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you, Jehovah overdo. Bonne soirée à vous.